Je vous l'ai dit, Comstock. Vous leur vendez le paradis et ils s'attendent à voir des angelots pour chaque tâche accomplie. Il n'y a pas de serviteurs dans le royaume de Dieu. Enfin, je connais quelqu'un en Géorgie qui peut nous fournir autant de prisonniers noirs que ce qu'on pourra accueillir. Vous n'aurez qu'à dire que ce sont des simples d'esprit qui cherchent la pénitence pour avoir voulu sortir du rang. Tant que ça soulage votre conscience, ma foi... Ça commence à chauffer. Qu'est-ce qui se passe ? Un tonique. Baiser du diable. Pourquoi pas? On n'a qu'une vie après tout. Thank you.
l'ai dit, Comstock. Vous leur vendez le paradis et ils s'attendent à voir des angelots pour chaque tâche accomplie. Il n'y a pas de serviteurs dans le royaume de Dieu. Enfin, je connais quelqu'un en Géorgie qui peut nous fournir autant de prisonniers noirs que ce qu'on pourra accueillir. Vous n'aurez qu'à dire que ce sont des simples d'esprit qui cherchent la pénitence pour avoir voulu sortir du rang. Tant que ça soulage votre conscience, ma foi... Pourquoi est-ce que vous me suivez? Nous étions déjà là. Et vous, pourquoi nous suivez-vous? Je... Un apéritif?
sens déjà mieux. En cas de problème. Ceci pourrait bien vous sauver la vie. Surprenant. Surprenant que ça fonctionne. Surprenant qu'il soit toujours en vie. Mais un champ magnétique à répulsion autour de soi peut s'avérer pratique. Si déjà ça ne te tue pas. C'est très vrai. Le père Comstock a fait appel à moi aujourd'hui. À moi! Je suis chargé de rédiger sa biographie. Il va me donner une avance pour 100 pages exactement. Je ne vais pas vous mentir, mon côté juif ressort quand on me parle d'argent. Alors je lui dis, mon père, vos ouailles paieraient pour en lire 1000. Pourquoi leur offrir moins? Alors, le prophète m'a regardé et il a répondu, 100 pages suffiront. Je connais déjà la fin. Être aimanté. Votre scalp.
Titus travaille à la loge à mi-temps. Il a pris cette boîte au cours d'une de leurs cérémonies secrètes, et je sais qu'elle renferme quelque chose de valeur. Le problème, c'est qu'Otus est un imbécile. Il n'a pas cru bon de prendre une clé au frère à plumes pour ouvrir ce truc. Otus travaille à la loge à mi-temps. Il a pris cette boîte au cours d'une de leurs cérémonies secrètes, et je sais qu'elle renferme quelque chose de valeur. Le problème, c'est qu'Otus est un imbécile. Il n'a pas cru bon de prendre une clé au frère à plumes pour ouvrir ce truc. Lâche.
messieurs, le faux berger rôde dans les rues de notre belle cité. Aurez-vous la honte de voir vos femmes et vos filles tomber sous le charme de ces mensonges? Ou agirez-vous? Agissez pour vos femmes, agissez pour vos filles, agissez pour votre prophète. Comstock est arrivé au wagon à l'aube. Il était fasciné par ma collection de scalps. Il m'a posé des questions sur les scalps blancs. Je lui ai expliqué, vous voyez, chef, si votre proie s'aventure dans la jungle et fraye avec la faune locale, est-ce que ça vaut la peine de faire preuve de pitié? Ça n'a pas fait sourire. Soit il n'a pas compris de quoi je parlais, soit il le savait que trop bien. Enfin, maintenant, il veut que je traque une dénommée Daisy Fitzroy pour lui. J'espère qu'il n'attend pas de moi que je la lui rapporte empaillée.
lorsque l'ange Columbia a donné aux fondateurs les outils pour bâtir leur nouvel Éden, ils se sont mis à la tâche sans hésiter. Pendant 85 années, ils ont travaillé dans le respect du Seigneur. Mais lorsque le grand hérétique est arrivé, il a amené la guerre. Et les champs de l'Éden se sont retrouvés gorgés du sang de leurs frères. La seule émancipation qu'ils pouvaient leur offrir était la mort. Le grand libérateur cherchait-il donc à émanciper les Noirs? Du pain quotidien, de la noblesse d'un travail honnête, de bienfaiteurs fortunés qui les entretenaient du berceau jusqu'à la tombe, de leurs vêtements et de leurs droits. Et qu'ont-ils fait de cette liberté? Allez visiter Fington, et vous le constaterez par vous-même. Aucun animal ne naît libre, à l'exception de l'homme blanc. Et c'est notre fardeau que de prendre soin du reste de la création.
Vous écrasez comme un insecte. Cet après-midi, le voyou qu'on soupçonne d'appartenir à la Vox Populi a lancé une attaque violente. Les choses ont vite dégénéré. En proie à la plus grande haine, l'anarchiste a cruellement blessé un groupe de pacificateurs de Columbia avant de s'armer et de décharger son arme sur une foule d'honnêtes visiteurs. À l'heure où je vous parle... Sainte mère de Columbia, pourquoi vénérons-nous trois symboles en votre honneur? Nous vénérons l'épée pour que nous puissions vous venger. Nous vénérons le corbeau pour que rien dans la ville n'échappe à son regard. Nous vénérons le cercueil parce qu'il représente le poids de notre échec. Vous faites ça! Je veux juste retrouver ma famille! Chose, ce truc-là. Press to summon murderous crows. Hold and release to create a nest trap.
dois pouvoir rejoindre Monument Island depuis cette station.
Possession now turns machine and man into allies. L'aérotram, hein. C'est comme ça qu'ont débarqué tous ces flics pendant la tombola. C'est la ligne pour Monument Island. Je peux essayer. Il ne cherche qu'à nous nuire.
le Seigneur comprit que la cruauté de l'homme était grande. Il se repentit de lui avoir donné la terre. Le déluge, pendant 40 jours et 40 nuits, et il anéantit toutes les créatures. Voyez-vous, mes amis, le Seigneur lui-même se réserve le droit de repartir de zéro. Et Columbia n'est rien d'autre qu'une nouvelle arche pour un temps nouveau. Il y a un autre aérotrame au-dessus. Si je trouve un moyen de grimper plus haut, je devrais pouvoir l'atteindre.